Helicobacter pylori ou encore H. pylori, c'est une maladie que un pile monde fait ces derniers temps. Mais quelques questions qui posent aussi. Qui j'en malade ça et qui ça qui baille, qui j'en peut traiter? Est-ce qu'elle est dangereuse? Est-ce qu'elle est bon pour lui ensemble avec l'autre question encore? Et bien nous parler pour nous ensemble avec toutes questions ça. Mais avant tout, venez montrer que j'ai pour abonner ensemble avec channel YouTube ça. Qui j'ai maladie ça? Et bien, n'a dit que maladie ça, son maladie qui est très embêtant parce que les toujours met tout mal à l'aise. Parfois l'estomac ou qu'on a fort mal, parfois les qu'on répond nous dans dos. Et puis l'homme mange, il compte quitter acide sur l'estomac ou toujours faut faire rapport. C'est ça qui fait les ou gain ou pas supposé manger n'importe bagaille et ou supposé faire traitement rapide. Et bien, dans la vidéo ça, n'a montre que j'ai fait traitement pour les très très facile. Deuxième question, c'est qui ça qui baille? Et bien, malade ça, ou prendre n'importe façon. Ou prendre dans l'air respiré, par exemple, cette caoutchouc, toute vieille sainte bagaille qui est capable de permettre de prendre. Avec ou prendre dans soit manger. Après encore, ou prendre si que l'offre fin manger ou pas, ou son monde qui parle, mais fait digestion, ça va permettre de faire malade ça. C'est ça que fait l'offre fin manger, ou supposé toujours pratiquer un petit sport, te mettre à courir ou à courir quand même. Ou bien tout marcher, essayer à l'aise comme, mais c'est que ou pas supposé à dormir tout de suite l'offre fin manger. Troisième question, c'est qui j'en pour traiter? Eh bien, normalement, les ou malades, vous supposez aller à l'hôpital avant ou prendre n'importe médicament. Parce que les malades, ou pas qu'on soigne vraiment, c'est l'hôpital pour aller pour aller examiner ou pour être capable de dire qui maladie ou fait vraiment. Et les ou fait qui maladie ou fait, là, ou capable de prendre des séries de remèdes naturels pour capable traiter maladie ça. Comme ça, tout capable faire suivi ensemble avec médicaments que le docteur a prescrit. Là. Mais si vous choisissez faire remède naturel, dans quelques remèdes, vous pouvez prescrire quelques remèdes qui sont capables de traiter la maladie ça, qui c'est H. pylori très très facile. Mais avant tout, qu'est-ce que la dit que est-ce que maladie ça dangereux? Mais faut que je dise que pas de maladie qui pas dangereux parce que toute petite maladie est capable de provoquer une grosse maladie là. C'est ça qui fait les malades ou supposé faire traitement pour tête ou pour capable en bonne santé pour pas de maladie qui est plus grave. Mais on connaît leur maladie ou juste que tu es à l'aise ensemble avec parce qu'on connaît les papes toi déranger et bien malade ça qui est H. pylori tout autant ou pas traiter les papes jamais quitter en paix parce que l'a toujours gêné on tout manger ou manger l'a quitter un acide sur l'estomac et franchement m'a bien une grosse douleur estomac. Mais cinquième question c'est est-ce que l'aide bon pour lui? C'est question ça en pile monde toujours posé mais c'est erreur ça tout en pile monde qu'on fait les ou gain malade ça gain monde qui qu'on dit que acheter l'aide pour boire. Mais nous connaissons mon temps toujours dit nous que des bougues un problème estomac boire l'aide. Mais ça c'est pas un simple problème estomac, ça c'est une maladie. Et même pas le bon petit exemple ça m'a vol les boire l'aide là qui ça les fait. Et bien on dit que ou gain l'aide. Pendant ou gain l'aide là et puis ou prend un citron ou gain un orange ou piger la dedans. Ça qu'pas le passer l'a tourner, pas bien toujours dit nous que l'aide avec citron pas mélanger. Raison parce que citron lui-même ils sont sorte de acide et l'organe acide là qu'on a sur l'estomac ou vient prendre l'aide ou déposer sur l'estomac là c'est que là l'aide là lui-même lui va venir cailler sur l'estomac là. Et bien qu'on a citron lui-même lui vient représenter acide là qui retrouve le sur l'estomac courant. Alors il y a acide ça sur l'estomac courant qu'on a ou vient prendre l'aide pour vider la dedans. Déjà que nous connaît que l'aide avec citron pas mélanger. Ça vient faire le décaillé sous l'estomac et puis vient jouer encore. L'aide c'est un bagage qui gagne graisse là-dedans. Et puis là où fait maladie ça qui est Helicobacter pylori ou pas qu'à consommer trop graisse. Ou bien problème pour digérer. On a dit que là où prend l'aide là ou déposer le soit acide qui sous l'estomac ou pas traiter maladie. C'est pas une solution. C'est juste que vous venez apaiser douleur estomac pour venir ajouter le pire aide. Parce que l'aide là qu'on a lui-même lui vient diminuer la douleur qui vient sous l'estomac là, mais il va venir produire plus acide sous l'estomac. Et bien sûr, tu avais traité, éviter de boire tout le temps en espérant que c'est traité la traité parce que le pape jamais fait rien pour vraiment. Ou tu avais connu qui aliment pour éviter avec aliment pour consommer l'offre maladie ça? Et bien avant ça, bon me dire qui j'en pour traiter maladie ça avant. Nous connaissons qu'il existe plusieurs traitements pour maladie ça, mais parmi toutes, nous connaissons qu'il y a un sirop, miel, l'ail, il y a un genre préparé ensemble avec même citron, tout. Mais nous connaissons que pomme de terre fait partie du meilleur remède pour l'estomac. Pomme de terre lui-même lui charge vitamine K, il est bon pour ulcère, il est bon pour tête faire mal, il est bon pour digestion, depuis l'estomac brûlé ou depuis qu'il y a acide, pas hésiter boire pomme de terre. Et puis qui j'en pour préparer jus pomme de terre là, très très facile, qui t'aime dire. Chaque lèvre levé le matin, ou bien pour prendre un grain de pomme de terre, ou à plaver, et puis tout, ou prendre ou grager. Ou pas prendre plus que un grain de pomme de terre, ou à caler, ou prendre ou grager. Et lorsqu'on grager, on a juste besoin d'un godet, d'un passoir, d'une cuillère.
pour prendre pour passer. Ou prendre le matin avant manger, ou prendre l'après-midi l'heure fin manger, après ou prendre le soir tôt avant aller dormir. Ou faire ça pendant un mois et toi jeune résultat. Lis aliments pour éviter avec aliments qui bon pour vous. Évitez boire café, thé, cacao, chocolat, cola. Essayez éviter consommer toute boisson gazeuse. Évitez manger tard pour garder une bonne digestion. Essayez éviter boire crème glacée le soir. Tout ça qui si ca provoquer acide sur l'estomac pour essayer éviter tout ça qui si. Manger qui gagne plus graisse pas bon pour vous. Dépose tellement plus gros consommer et puis pas manger spaghetti parce qu'il y a trop graisse là-dedans. Essayez éviter manger viande. Essayez éviter manger fromage. Essayez éviter boire sauce. Et puis tout si manger qui léger au bon goût parce que c'est l'estomac là qui pas ca qui met top. Et puis toujours boire de l'eau avant manger à l'heure. Merci tout le monde, m'en te content pour tes vidéos ça pour nous aujourd'hui. Pas oublier sous channel pour la qui c'est Wall Benz Désir. Et puis pas oublier like et faire commenter pour là et puis tout partager vidéo. Bye bye.